Monsieur Nandin Boudissa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, le ministère du Commerce appelle les consommateurs à ne pas acheter les produits dont l'origine est non identifiée. Cette alerte est-elle la conséquence de l'absence de moyens de contrôle en amont, à savoir à l'arrivée du produit au port? Monsieur Boudissa. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais vous remercier de l'invitation et je salue par la même occasion vos auditeurs. C'est vrai que cet appel pressant du ministère du Commerce vient pour nommer, surtout à la veille d'un mois sacré, où vous sentez que la frénésie de la consommation des produits est tellement importante qu'il est toujours utile de rappeler aux consommateurs la nécessité d'être extrêmement prudent pour la consommation de ces produits. Maintenant, il faudrait qu'on précise. Il y a deux types de produits. Nous avons la production nationale, où souvent on n'en parle pas beaucoup, et on ne sait pas dans quel cadre elle se fait. Est-ce que l'OBI a des normes? Est-ce qu'il y a une certification? Est-ce qu'elle subit des essais? Est-ce qu'on a une assurance que ces produits-là sont faits conformément à des spécificités techniques? Ça, c'est la production nationale, où la majorité de nos besoins sont faits. Et vous avez une autre partie de la production qui nous arrive en quantité assez importante, qui nous vient de l'étranger, de ce qu'on appelle les importations. Là aussi, est-ce que le dispositif aujourd'hui que nous avons mis en place en Algérie permet de donner une assurance, une confiance de ce sont les produits que nous consommons venant de l'étranger? Là, il y a beaucoup d'interrogations sur les produits. Il ne suffit pas de le dire, la déclaration politique ou autre, pour dire qu'il faut faire attention, qu'il faut veiller, qu'il faut, n'est pas suffisante. C'est une mesure importante, je la salue en tant que premier responsable de l'accréditation de ce pays, mais elle n'est pas suffisante pour donner l'assurance que ce produit est conforme. Nous avons des documents aujourd'hui qui accompagnent les produits qui ne sont pas vérifiables, qui ne sont pas traçables. Alors, là, j'appelle le ministère du Commerce et les autres ministères. Attention, il n'y a pas que le ministère du Commerce qui en charge, le ministère de l'Industrie aussi est concerné par cette opération. Et je souhaiterais qu'on revoie les choses autrement. Mais vous dites que ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut considérer d'emblée que tous les produits ne répondent pas aux normes qui circulent, qui sont à la portée des consommateurs aujourd'hui, dans tous les domaines, hein, parce qu'on va l'élargir aussi bien aux produits de consommation qu'aux produits industriels. Monsieur Boudissa. Écoutez, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que tous les produits ne sont pas conformes. Je dis qu'il y a certains produits où, dans les communs des mortels, ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas conformes. Maintenant, est-ce qu'il suffit de dire ça pour qu'on s'arrête à faire ce constat? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation donnée où l'État et les institutions de l'État doivent maintenant intervenir pour réguler, revoir tout le dispositif. Que faut-il faire, monsieur Boudissa? Alors, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous doter des structures qu'on appelle de régulation de contrôle. J'ai besoin aujourd'hui que l'ensemble des structures concernées dans la production nationale qui va pour la satisfaction du consommateur algérien et de l'économie nationale, puisse se doter de structures de contrôle et d'essai. Je fais allusion à quoi? Nous avons toujours dit, j'ai été plusieurs fois votre invité, et je le répète encore aujourd'hui, il nous faut un réseau de laboratoires d'essai qui soit multidisciplinaire, à même accrédité par Algérac, reconnu sur le plan international, qui puisse donner les documents normatifs, ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité, ou bien, ce que communément on le dit, le certificat de conformité. Lorsqu'on dit qu'un laboratoire accrédité dans l'agroalimentaire remet un document de conformité à un produit de large consommation, c'est-à-dire qu'on a non pas la certitude, mais on a au moins l'assurance que ce produit a fait l'objet des essais. Ce qui reste encore à faire, il n'y a pas que le laboratoire qu'il faut avoir. Il faut avoir aussi des inspecteurs. Le ministère du Commerce et les autres ministères ont ce qu'on appelle des inspecteurs de la répression des fraudes qu'aujourd'hui on immobilise pour le mois de Ramadan. Est-ce qu'ils ont les outils nécessaires pour pouvoir mener cette mission convenablement? Ils sont chargés de veiller à la sécurité et à la surveillance des marchés, mais ils doivent aussi, quelque part, prélever des échantillons douteux et qui doivent les orienter vers qui? Vers un laboratoire spécialisé, habilité, accrédité, pour s'assurer que le produit est réellement bon, non
et ne pas porter préjudice à la santé humaine. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons faire ce que les autres nous ont déjà précédé à ce niveau-là. Et c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui avoir une infrastructure qualité conforme aux exigences internationales, même si nous avons des règlements techniques qui nous sont spécifiques. Ce travail doit être fait. Plus que jamais, nous devons nous doter de moyens nécessaires pour pouvoir réguler et contrôler le marché. Mais Monsieur Boudissa, cela fait plus de 10 ans que vous dites la même chose et ça n'a pas été suivi de fait. Avec bien sûr l'absence de ces instruments, certains considèrent qu'on a favorisé des importations qui venaient de n'importe où et de n'importe quoi. Et n'importe quoi a été importé. Il y a des lobbies de l'importation qui ont fait en sorte. Est-ce que ça ne soit jamais fonctionnel? Mais écoutez, je pense que pour les laboratoires de conformité. Depuis la création d'Algérie en 2005, je pense que tout le monde sait. C'est une évidence aujourd'hui. Il y a beaucoup de laboratoires qui sont accrédités. Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Non. Mais ils sont accrédités. Mais est-ce qu'ils peuvent tout contrôler? Et selon les normes, monsieur... Écoutez... Même pour la production nationale. Ces laboratoires qui sont accrédités, selon des référentiels très précis, peuvent jouer ce rôle de contrôle. Il reste maintenant, est-ce que j'ai dit encore une fois, est-ce que le nombre de laboratoires que nous disposons, à la fois par le nombre et par leur répartition géographique, sont à même de couvrir les besoins du marché. Je dis encore une fois, ce n'est pas encore suffisant. Il y a lieu maintenant de faire les choses, de revoir ce dispositif, parce que je crois qu'il y a quelque chose, une faille dans notre système qu'il faudrait absolument qu'on corrige rapidement, c'est toute la réglementation que nous avons, la réglementation du marché, la réglementation de l'évaluation de la conformité, qui n'est pas aujourd'hui totalement mise à jour. Le jour on prendra la décision pour dire tout ce qui touche à la santé, à la sécurité, à l'environnement, doit être obligatoirement accrédité. Je crois qu'on aura fait une avancée significative et on amènera le maximum de gens à adhérer à cette démarche pour avoir un réseau dense, multiple, diversifié et il a l'attitude de dire aux autres, vous ne pouvez commercialiser votre produit que si votre produit est reconnu comme étant conforme. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette réglementation, en absence de cette réglementation de conformité, est-ce que les produits importés ou produits localement répondent aux normes, monsieur Boudissa? Puisqu'on peut le certifier. L'ambition de l'Algérie dans le domaine industriel, c'est d'aller vers l'exportation. On ne peut pas aller à l'exportation sans l'accréditation et sans la certification. Ça, c'est important. Alors il faudrait C'est-à-dire labelliser le produit aussi. Voilà. Alors, il faudrait qu'on précise, quand le produit est fait localement, il faut qu'absolument que ce produit soit protégé, soit certifié. Aujourd'hui, plus que jamais, nos produits doivent être repérés, traçables, et on subit des essais. On a la fiche technique, ils sont certifiés pour pouvoir les faire valoir. Ça, c'est une opération qui prend beaucoup de temps, parce que c'est une opération extrêmement technique, qui appelle beaucoup d'investissements, beaucoup de compétences, beaucoup de maîtrise, des normes et surtout quelque chose qui me paraît important et je lance l'appel pour dire il nous faut des réglementations techniques spécifiques à chacun des produits ou filières qui se font en Algérie. Dans tous les domaines, même le domaine de l'automobile. Je pense qu'on a besoin de mettre toute cette réglementation parce qu'on est déficitaire, une chronique qu'il va falloir combler dans les meilleurs délais. J'ai lancé l'idée à tous les ministères techniques, je suis en train de travailler avec eux, ils sont très conscients de la chose, mais ça appelle à une certaine technicité, ça appelle à un certain investissement. Je pense que l'État aujourd'hui, plus que jamais, doit légiférer pour que tout ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Un produit ne peut être mis sur le marché que si on a l'assurance qu'il ne porte pas préjudice à la santé humaine et à l'environnement et à la sécurité du consommateur. Si c'est ça, je pense que ça ne deviendra pas la force des choses obligatoire et tous les cahiers de charge doivent maintenant comporter cette disposition en disant il faut qu'absolument que ce produit soit testé, vérifié partout en Algérie. Même les laboratoires de conformité qui doivent, c'est-à-dire vérifier, doivent être accrédités également. Alors, par Algérac. Il faudrait qu'on accepte encore une fois dans notre pays et je pense que c'est ce qui se fait ailleurs. Le centre de qualité... Un laboratoire ne peut vous remettre un rapport d'essai que s'il est reconnu par un organe qu'on appelle tierce partie, qui est l'accréditation, bien entendu, dans notre pays, c'est bien Algérac qui a cette mission. Pour que ce laboratoire puisse donner la preuve que ce produit est bon ou il n'est pas bon,
il faut qu'il soit reconnu par un GERAC, donc accrédité obligatoirement. Le centre de qualité du commerce, est-ce qu'il est accrédité aujourd'hui? Non, nous avons beaucoup d'espoir pour que le laboratoire national d'essai du ministère du Commerce soit opérationnel dans les meilleurs délais, ce qui n'est pas encore le cas. Il va apporter beaucoup de choses concernant la certification des produits, les essais, ceux des produits industriels que nous apportons en quantité. Il y a aussi ce que j'appelle le laboratoire du ministère du Commerce, le CAC, qu'il faut qu'absolument qu'un outil formidable que dispose le ministère du Commerce doit être aussi là. Et vous avez toutes les structures qui relèvent de la recherche scientifique qui sont aujourd'hui sous-exploitées en Algérie. Et vous avez les laboratoires des entreprises nationales et privées qui sont aussi en train d'activer, ils sont intéressés. J'ai même les laboratoires d'analyse dans le domaine médical ne sont pas intéressés. Oui, bien sûr. Nous sommes en train de mettre tout ce réseau de laboratoires. Ça prend du temps parce que c'est une opération qui n'est pas simple. C'est une opération qui prend du temps. Ça appelle beaucoup de surveillance, ça appelle beaucoup d'évaluation et j'ai beaucoup d'espoir que les choses peuvent aller vite. Il reste maintenant que la législation algérienne doit aller dans le sens de notre politique que nous menons aujourd'hui. Et les produits importés aujourd'hui, ce qui est exigé du ministère du Commerce, c'est d'apporter le certificat de commercialisation dans le pays d'origine. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Certifier que le produit commercialisé dans son pays. Je pense que c'est une disposition qui a été faite, mais est-ce qu'elle est suffisante pour donner l'assurance que le produit est conforme? Non. Alors, Monsieur Nandé Maudissa, moi je voudrais revenir aussi sur la qualité et les normes des produits qui sont commercialisés ou produits localement. Ce qui est relevé actuellement, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts sur le plan de l'emballage. L'emballage aujourd'hui comporte les composants des produits, mais est-ce que c'est suffisant pour contrôler le produit lui-même, Monsieur Maudissa? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les composants. Je pense que vous avez raison. Aujourd'hui, il y a un effort qui a été fait sur l'emballage de tous les produits, l'étiquetage, tout ce qui a été exigé dans le cadre de la loi sur la protection du consommateur. Je crois qu'il y a une avancée sur. Il reste maintenant, encore une fois, j'insiste pour dire, est-ce que ce produit est conforme ou non? L'emballage, il est là, l'étiquetage, il est là, la traçabilité, elle est là. Il reste que, est-ce que ce produit a fait l'objet d'essais et de tests pour pouvoir s'assurer que ce produit est conforme? Il ne porte pas un préjudice à la santé humaine, il est conforme à des spécificités techniques, et il est ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément certifié. Est-ce que c'est le cas? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Nous accusons encore beaucoup de retard. Il nous faut les structures qu'il faut. Je ne cesserai de le dire depuis plus de 10 ans, je dis. Nous disposons de structures nationales à même de les mettre à niveau qui pourraient demain jouer ce rôle d'évaluateur de la conformité et délivrer les documents qu'on appelle les certificats de conformité afin d'en donner l'assurance. Je fais appel aussi à quelque chose qui me paraît très important, c'est que la société civile doit être aussi mobilisée, il n'y a pas que l'État. Vous avez la défense des consommateurs, les associations professionnelles doivent aussi travailler dans ce sens, aller vers l'amélioration de la qualité, la maîtrise, l'application de normes, la certification de produits, assurer le consommateur national pour ses besoins à l'échelle nationale et aider les opérateurs économiques qui veulent exporter à l'étranger pour qu'ils disposent de documents normatifs exigés par tous les partenaires avec qui nous faisons du commerce international. Plus que jamais, cette politique d'export doit reposer sur ces principes-là. Je tiens encore à vous dire, tant que l'Algérie, notre pays, ne disposera pas d'une infrastructure qualité efficiente, structurée, compétente, nous aurons du mal à nous imposer sur le plan international lorsqu'on sait que le monde d'aujourd'hui, il est normalisé. Les normes, ce sont les éléments de circulation des marchandises, ce n'est pas la réglementation, ce n'est pas la douane, même si elle joue un rôle éminemment important, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui. Vous allez dans un pays, on vous applique leur propre réglementation, on vous applique leur propre cahier de charge, on vous applique leur propre directive européenne, et ceci, nous devons nous adapter à cette nouvelle situation pour qu'on puisse préparer l'ensemble des éléments
pour pouvoir aller placer nos produits à l'international. Alors, si aujourd'hui le ministère du Commerce exige l'attestation de commercialisation du produit dans son pays d'origine, c'est l'ancien ministre du Commerce, M. Mohamed Ben Meradi, qui l'avait institué. Est-ce que cela veut dire indirectement que nous n'avons pas les moyens de contrôle? Simplement, M. Bouddhiste. Oui, en partie, il avait dit une certaine vérité, donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec l'ex-ministre du Commerce, M. Ben Meradi. On avait arrêté une démarche, qu'on devait la mettre en place. Aujourd'hui, nous avons deux situations. Je pense aussi qu'il faut éviter de refaire les erreurs du passé, à savoir, on se contente de certificats de conformité remis par une chambre de commerce étrangère sur des produits qui sont destinés à l'Algérie. Nous devons nous donner les moyens à l'échelle nationale pour s'assurer de contrôler les produits que nous importons. Aux frontières, nous devons mettre tout un dispositif, avoir ce réseau de laboratoires, avoir cette répression des fraudes, avoir la douane comme partenaire avec nous pour qu'on ne laisse passer que des produits de qualité, conformes, et non pas des produits de contrefaçon et nuisibles à la santé humaine. Mais est-ce qu'on peut se contenter juste de l'affichage, tout ce qui est affiché sur le produit? C'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant pour donner l'assurance que le produit est réellement conforme. Aujourd'hui, il y a des dispositions nouvelles qui ont été prises aussi par le ministère du Commerce, à savoir geler l'importation des produits cosmétiques. Est-ce qu'il fallait le faire? Puisque certains reconnaissent que 70% des produits importés, commercialisés sur le marché sont contrefaits. J'ai eu l'occasion de le dire dans votre... C'est vous qui l'avez dit. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Tous les produits cosmétiques qui nous viennent de l'étranger méritent une attention particulière parce qu'ils sont contrefaits. Et c'est pour ça que, comme on ne dispose pas de structure nationale de contrôle, c'est-à-dire un laboratoire spécialisé dans la cosmétique, je pense que cette solution était sage. Il fallait arrêter parce que ça porte un préjudice sur la santé humaine de tous les utilisateurs des produits cosmétiques en Algérie. Alors on n'a pas les moyens de contrôler et pourtant on a parallèlement 200 laboratoires à travers le territoire national qui, eux, ne sont pas aussi certifiés. Monsieur Bouddhiste, il y a beaucoup à faire, hein? Il faudrait qu'on sache une chose. L'Algérie dispose de plus de 2000 laboratoires. Ça, c'est le potentiel national. Je voulais dire 2000 au lieu de 200. Voilà. Ces 2000 laboratoires, ils sont dans un état, chacun à son niveau de développement. Il y a ceux qui sont structurés aujourd'hui, ils sont accrédités par le JALAC, ceux qui sont en cours. Et je peux vous dire, je suis extrêmement positif et rassuré de l'élan que prend l'accréditation de l'Algérie. Mais est-ce que ça va nous permettre dans un délai aussi court de rattraper le retard? Je dis encore une fois, il faut rester très réaliste. N'empêche que l'engagement qui a été pris par l'ensemble des secteurs d'aller accréditer le laboratoire est une réalité aujourd'hui que je ne peux pas ignorer. Au contraire, je suis extrêmement rassuré. Mais encore une fois, pour être accrédité, c'est une opération qui n'est pas simple, ça prend du temps, c'est des investissements, c'est des moyens à mettre en place. Et je lance aussi quelque chose qui me paraît important à travers votre émission, c'est que les pouvoirs publics doivent financer en partie ces actions de mise à niveau par rapport au référentiel international dans le domaine de l'accréditation. Je pense qu'on doit investir, parce que l'investissement que peuvent faire les fonds publics algériens pourrait avoir un retour d'investissement et permettre à l'Algérie de disposer, dans un délai aussi court que possible, les moyens qu'elle a pour réguler son marché intérieur et contrôler ses importations. C'est des moyens pour sécuriser le consommateur à tous les niveaux, puisque nous avons parallèlement même les laboratoires d'analyse médicaux, certains ne sont pas certifiés. Nous commençons d'ores et déjà à commencer à faire des accréditations, mais c'est vrai que ce n'est pas une partie facile pour beaucoup de monde. Nos amis du ministère de la Santé nous ont conviés à plusieurs réunions de travail. Nous attendons la loi sur la santé, elle est maintenant pratiquement sur le point d'être promulguée, et nous allons la mettre en place. Je tiens à vous dire qu'il y a une volonté sincère de nos amis du ministère de la Santé de mettre en place un dispositif d'accréditer leur laboratoire de référence, c'est très important, et aussi de demander à ce que les laboratoires privés se fassent accréditer, surtout les laboratoires d'analyse médicaux que vous connaissez tous. Ils sont dans une situation aujourd'hui où ils exercent, mais
la compétence n'est pas toujours vérifiée et attestée par un organisme tel qu'Algérac. Mais est-ce qu'on doit rattraper ce retard et aller vite parce que nous allons vers une situation de démantèlement d'arrivée avec l'Union Européenne? Comment on va faire quand on va avoir tous les produits qui vont arriver sans pouvoir les contrôler aujourd'hui? Écoutez, certains avaient qualifié l'Algérie comme, par exemple, excusez-moi de l'expression, de poubelle du monde. Est-ce que ça va être le cas également? Non, je pense que, écoutez, j'ai déjà donné une démarche, une approche. J'ai dit qu'il fallait aujourd'hui plus que jamais avoir un réseau de laboratoires, d'organismes d'inspection, de certification pluridisciplinaire accrédité par Algérie, parce qu'il faut avoir une accréditation pour pouvoir imposer à nos partenaires commerciaux que ce produit est bon ou n'est pas bon. Si on se met tous selon un calendrier, et je tiens à dire une chose qui me paraît importante, je l'ai dit, je le répète, il faut qu'on ait aujourd'hui une structure nationale en charge de la qualité. Ça devient un élément stratégique qui accompagne le développement économique de ce pays-là. Nous devons avoir Monsieur Qualité en Algérie. L'assistance technique dont on pouvait en bénéficier, est-ce que c'est possible toujours ou pas possible? Ou on a raté le coche, monsieur Non, c'est possible encore. Nous avons encore cette possibilité d'utiliser rationnellement les crédits qui sont mis à notre disposition, cette assistance technique européenne, mais nous devons aussi établir une feuille de route avec eux pour que l'assistance technique va avoir des résultats qui sont probants et dans un délai aussi court que possible. Souvent, on voit sur les produits, par exemple, ce qui est mentionné, ces produits certifiés et de qualité répondent aux normes européennes. On connaît plus cette spécificité. Est-ce que nos produits, aujourd'hui, s'ils devaient être commercialisés de l'autre côté, puisque l'ambition est d'exporter, doivent répondre aux normes? Je crois que c'est une norme algérienne. Est-ce qu'il y a des normes algériennes ou non universelles? Il n'y a pas de normes algériennes. Il peut y avoir une réglementation technique algérienne qui donne des spécificités algériennes, mais si vous voulez exporter, madame... On ne pourra pas exporter de toute façon s'il n'y a pas les normes. Si vous voulez réellement exporter à l'étranger, vous devez connaître un peu les spécificités, l'exigence des marchés sur lesquels vous allez placer vos produits. Et ça, à ce niveau-là, je crois qu'on n'a pas le choix. Nous devons être en conformité avec leurs propres exigences, sinon on n'aura pas l'accès de nos produits à leur marché. Voilà. Alors, comment aujourd'hui rattraper ce retard? C'est une des questions de l'auditeur par rapport à Algérac. Monsieur Boudissa, rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, si on revoit la réglementation nationale, on rend obligatoire dans tout le domaine qui touche à la sécurité, à la santé humaine, à l'environnement, et on donne un délai avec un échéancier dans le temps, je pense que nous allons choisir des filières prioritaires, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, des filières prioritaires, et on en donnera les moyens qui soient financiers, humains et réglementaires, nous pouvons raisonnablement rattraper le retard. Quelles sont les filières prioritaires? L'agroalimentaire, l'automobile, les matériaux de construction, la pharmacie, plein de filières qui sont porteuses aujourd'hui, qui sont importantes aujourd'hui et qui commencent à donner des signes de pouvoir aller conquérir des marchés extérieurs. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de tous les documents demandés aux importateurs, certificats d'origine, de qualité et de libre circulation dans les pays d'origine? N'est-ce pas toutes les défaillances d'un système que vous mettez en évidence, à savoir les douanes et autres services aéroportuaires et ceux chargés du contrôle? Aujourd'hui, monsieur Boudissa, puisque certains donnent à leurs clients des certificats de complaisance. Mais je tiens à faire une précision importante. Nos amis de la douane avec qui j'ai fait une séance de travail sont intéressés, sont réellement engagés à rentrer dans cette démarche de contrôle, de conformité des produits aux frontières. Vous les avez tous réunis de toute façon? Tous les secteurs ont fait des réunions de travail avec Abelgira qui sont aujourd'hui impliqués dans le processus. J'ai dit encore une fois, on ne peut pas tout faire à la fois, il faut choisir des filières. Là où on importe beaucoup, là où on a des possibilités d'exporter à l'étranger. Si on arrive à identifier ça, je pense que vous êtes au courant, la presse en a rapporté, la stratégie nationale d'exportation est en cours, nous sommes membres de tous ces comités-là, et nos propositions ont été prises en charge, les assises sur l'agriculture a été aussi quelque chose dans les recommandations, accréditation, certification des produits agricoles, sont devenus des éléments clés, et il nous appartient maintenant de se mettre au travail, selon des orientations, selon un échéancier et avec des obligations de résultats en dernier lieu. Alors, vous allez travailler rapidement ou vous leur avez donné un sursis en raison de mois de Ramadan, monsieur Boudissa? Alors, comme pendant le mois de Ramadan? Non, je pense que les réunions ont été faites. Parce qu'après, vous aurez les vacances.
Non, nous avons fait des réunions, nous avons tracé un peu les priorités et aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place le plan d'action ensemble, selon des priorités de chacun d'entre nous. Et je pense que raisonnablement, l'année 2018, connaîtra un effet extrêmement positif, puisqu'on aura... Aujourd'hui, vous savez, Algérac accrédite tous les jours les organismes d'évaluation de la conformité. Rien que ce début de ce semestre 2018, nous avons déjà réalisé 23 accréditations, ce qui était impensable il y a 5 ans. Impossible. Aujourd'hui, pour le privé ou le public ? Pour le public et le privé. Nous ne faisons pas de distinction. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, monsieur Boudissa, c'est que vous relevez du ministère de l'Industrie. C'est comme le cordonnier Machaussé. Même les entreprises publiques ne se font pas aujourd'hui certifier pour commercialiser leurs produits aussi bien au niveau national qu'à l'étranger. Alors que cette certification est obligatoire maintenant pour investir les marchés. Eh ben, vous avez donné la réponse aujourd'hui. Plus que jamais, ils sont conscients qu'il leur faut cette certification produit. Et nous allons les accompagner. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai dit, si on fait des règlements techniques et on fait de la certification produit, je pense que toutes ces entreprises auront la volonté et auront la possibilité de se faire certifier leurs produits. Faut-il pousser les entreprises vers l'accréditation en leur exigeant ce certificat dans les marchés publics, au moins ? Eh bien, écoutez, ce qu'on a toujours recommandé à tous les acteurs de la sphère économique, on leur a dit, même si vous n'êtes pas accrédité, lorsque vous faites appel à un prestateur de service, un sous-traitant, exigez de lui qu'il soit accrédité. C'est déjà en partie une solution au problème. Alors pour l'aspect sécurité, faut-il aussi certifier les usines de montage de véhicules qui sont installées en Algérie ? Monsieur Boudissa, puisque certains disent que certains de nos produits qui ont été destinés à l'exportation ont été rejetés par certains pays, c'est la rumeur qui circule actuellement, Niger, Mauritanie et Tchad, est-ce que c'est le cas ? Je n'ai pas cette information. Je peux vous dire aussi que dans l'industrie automobile, il y a des normes spécifiques qui leur sont propres et on peut délivrer des certificats de conformité à des produits tels que la pièce de rechange, à la SANOR. Et on doit avoir le propre laboratoire d'essai d'analyse et certifier le produit. Si vous voulez demain produire la pièce de rechange qui a un problème de sécurité, que tout le monde sait, et je pense que c'est un élément extrêmement fragile, extrêmement sensible, dans lequel nous devons donner une attention particulière. Maintenant, si on produit pour les besoins nationaux dans l'industrie automobile et on a la volonté d'exporter, nos partenaires étrangers exigeront inévitablement pour nous qu'on leur donne des documents normatifs attestant que le produit a subi des essais et assure la sécurité des passagers. Mais par rapport aujourd'hui à l'agroalimentaire, faut-il aussi certifier la réalisation de ces produits au niveau de nos usines et aussi leur fabrication et leur consommation ? Monsieur Boudissa. Donc ça touche à la sécurité du consommateur. Lorsque ça touche à la santé humaine, je pense que plus que jamais aujourd'hui, ça devient obligatoire. Est-ce qu'il vous est arrivé de lancer des alertes, M. Boudissa, et dire attention à ce produit ou ce produit commercialisé sur le marché ou fabriqué localement, Alors, sans distinction aucune. Moi, l'essentiel, lorsqu'un produit n'est pas certifié, je me pose des questions. Vous avez lancé l'alerte sur le cosmétique. J'ai dit les cosmétiques, j'ai dit la pièce de rechange, j'ai dit quelques produits pharmaceutiques, qu'à un moment donné, ça posait un problème. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des mesures qui ont été prises. Ça nous rassure, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'on se dote de moyens nationaux capables, reconnus, structurés, organisés, avec une réglementation à l'appui qui puisse nous donner l'assurance que nous fabriquons. C'est bon ? Et surtout, madame, s'assurer aussi ce que nous achetons à coup de devise, il est bon et confort, il ne porte pas préjudice. Consommateurs algériens. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'il faut porter une attention particulière de l'origine de certains pays, par exemple, notamment certains pays asiatiques ? Je pense que vous avez de tout type de produits, même les pays asiatiques, il suffit que nous se donnons les moyens, nous, de vivre. Il faut que l'opération de vérification, de test, d'essai, d'analyse, de tout ce que nous importons, devienne une réalité en Algérie. Et c'est le seul moyen, c'est le seul garant que nous avons pour dire que ce produit est conforme ou non pas conforme. La contrefaçon ? Ben, la contrefaçon, tant que vous n'avez pas les structures qu'il faut, vous pouvez faire passer ce que vous voulez. On n'a pas les moyens. On ne peut plus se compter. Et on ne peut plus se contenter de documents fournis par des fournisseurs. On ne peut plus. On n'a plus le droit de le faire.
nous devons nous doter de moyens techniques, humains, normatifs, réglementaires, pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Monsieur Noldin Boudissa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et prudence aux consommateurs par rapport à ce qu'ils traitent comme produit. Merci beaucoup. Merci.